Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Nathalie Pinède, je suis maîtresse de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'Université Bordeaux-Montaigne. Donc, j'ai le plaisir de modérer cette, d'animer, ou de, en tout cas d'être faire un peu la chef d'orchestre de cet atelier qui pose une double question intéressante. Apport des sciences humaines sociales, impact sur les sciences humaines et sociales. Donc, il y a vraiment deux questions en une, et donc deux vraies questions. C'est qu'est-ce que finalement comment les sciences humaines et sociales peuvent contribuer aux travaux sur l'intelligence artificielle, mais aussi finalement qu'est-ce que l'intelligence artificielle fait aussi aux sciences humaines et sociales. Alors bon, j'ai quelques idées sur la question, mais ce n'est pas à moi de les présenter ici. Alors, ce que je propose, c'est qu'on fasse un petit tour de table déjà pour présenter, que chacun des intervenants se présente. Ensuite, alors, je bats ma coulpe, je n'ai vraiment pas pu, pour différentes raisons, prendre contact avec les intervenants pour donner un cadre un peu de fonctionnement. Alors, l'idée, c'est quand même qu'il y ait des temps d'intervention relativement courts. Alors, bon, ça il n'a pas forcément prévu comme cela, mais il va faire des efforts. Donc, il y a une dizaine de minutes d'intervention pour qu'on laisse le plus de temps possible aux échanges, aux interactions, aux discussions sur cette question vraiment très, très importante, hein, qui est celle de ce rapport, cette articulation duale entre SHS et intelligence artificielle. Cédric, je te laisse te présenter un petit peu. Merci. Merci d'abord aux organisateurs et organisatrices de cette journée pour l'invitation, c'est un vrai plaisir. Donc je suis maître de conférence en philosophie des sciences à l'Université Bordeaux-Montaigne. Je travaille précisément dans le domaine de la philosophie des neurosciences, avec une modalité un petit peu particulière, puisque je suis rattaché et responsable d'une équipe de recherche au sein d'un institut de neurosciences, un institut des maladies neurodégénératives à Bordeaux, ce qui fait que je suis embedded, comme on dit, je ne sais pas comment on pourrait dire autrement en français, embarqué, ça serait mieux, embarqué dans ce travail. Donc je ne suis pas neuroscientifique par définition, hein, je ne suis pas philosophe des neurosciences, et en fait au cours de mes interactions avec mes collègues neuroscientifiques, une bonne partie de la recherche en neurosciences se fait désormais à partir de modèles qui sont des modèles computationnels, soit qu'ils utilisent des méthodologies empruntées au machine learning, voire au deep learning, soit qu'ils restent dans ce qui a été rappelé tout à l'heure, c'est-à-dire de l'algorithmique symbolique classique. Et en fait, ça nous a amené très souvent à devoir clarifier un petit peu ce qu'étaient les enjeux de l'usage des outils de l'IA. Je n'aime pas parler de l'IA en général, mais des outils de l'IA ou des méthodes propres au champ de la recherche en intelligence artificielle dans les sciences expérimentales. Donc, c'est vraiment mon domaine de recherche. Et ce qui m'a amené, bien entendu, à être sollicité par différents centres de recherche ou organismes pour venir donner parfois mon point de vue sur les usages des méthodes d'IA en dehors même du champ des sciences. Donc je ne suis pas un éthicien, je ne suis pas un spécialiste de l'IA escalité, c'est vraiment quelque chose que je fais comme un élément à part, mais de fait j'ai été amené de plus en plus à m'interroger là-dessus, à m'intéresser à ça, et je reviendrai dans un instant peut-être sur la présentation. Merci Cédric. Bonjour et merci à toutes et à tous, merci de cette opportunité d'intervention. Je m'appelle Laria Sinamo, je suis enseignante-chercheuse à l'Université de Turin et je suis spécialisée en traductologie et en analyse et donc traduction de discours institutionnels diffusés par les organisations internationales, l'Union européenne, l'OTAN, les Nations unies, la Banque mondiale.
Donc aujourd'hui, je vais présenter une communication en tant que porte-parole d'un groupe de travail qui s'inscrit dans le cadre d'un projet européen. Donc je me fais porte-parole de la présentation des travaux menés dans le cadre du groupe qui est encadré par Akelera House de l'Université de Bologne. Merci. Merci. Laurent ? Donc Laurent Petit, je suis professeur en sciences de l'information et de la communication à Paris, Sorbonne, donc je donne des cours à la fois à l'INSP et au CELSA, et puis je suis chercheur au GRIPIC. Que vous dire rapidement, après je développerai un peu plus, je vous dirais que moi je travaille sur les notions d'industrie et d'industrialisation de la culture, de la formation et de la communication, et que je m'intéresse depuis quelques années maintenant à l'IA, sans en être non plus spécialiste, et à la fois, je dirais, éducation à l'IA, comment, et ça va être au cœur aussi de notre question, et IA dans l'éducation, dans quelle mesure ça renouvelle un peu les questionnements. Également, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a créé, au sein du GIS2IF, c'est un groupement d'intérêt scientifique, interdisciplinarité, innovation, formation, qui regroupe plusieurs universités françaises, et québécoise, et donc francophone, on est au cœur de la francophonie, on a créé l'an dernier, ça va être la deuxième année cette année, un séminaire spécifique qui s'appelle SIAFO, séminaire intelligence artificielle pour la formation, dont la prochaine session aura lieu le 25 novembre, donc je pourrais vous donner des infos, les faire circuler si ça vous intéresse, puisqu'il a lieu en grande partie à distance, en tout cas en mode hybride. Voilà. Merci Laurent, tu vas garder la parole, je te laisse venir. Ici, je suis l'ordre du mieux. Programme, voilà, pour qu'on puisse te voir également. Ah oui. Donc je continue et je dis bonjour à ceux qui sont à distance. J'espère qu'ils m'avaient entendu pour la présentation. Ce que je vais faire, donc je vais faire une première présentation assez rapide. Et l'idée, c'est qu'on ait le temps des échanges et des questionnements. Le micro est un peu bas, mais j'ai l'impression que ça marche. Je crois que vous m'entendez. Donc, ce que je voulais évoquer avec vous, c'est répondre aux deux questions qui nous ont été posées, mais peut-être par, j'allais pas dire un biais, mais en tout cas par une bifurcation, on va dire, qui est dans quelle mesure les développements récents de l'IA en général et dans le domaine de l'éducation en particulier réinterrogent la question, la fameuse question dont on n'est pas venu à bout encore, c'est celle de l'esprit critique et la formation à l'esprit critique et justement la place des sciences humaines et sociales dans celle-ci. Et je pense que ça nécessite qu'on y retravaille à nouveau frais, ne serait-ce que par l'ampleur des questions soulevées, hein, par l'intelligence artificielle, mais je dirais pas n'importe comment. Donc, ce que je ferai juste une petite présentation en trois points, puis après je développerai en fonction des questions que vous pourrez poser. En premier lieu, comment on peut essayer de cerner les enjeux, et les enjeux sont nombreux, multiples, et ils peuvent se réduire, et ça je le dis dès le début, et fortement à réduire les SHS, les sciences humaines et sociales, à la question de l'éthique, hein, si importante soit-elle, je pense qu'on ne doit pas être convoqué à la fin. Ah oui, au fait, il y a des questions éthiques, venez nous voir, et puis on va traiter ces questions-là un peu sur un coin de table. J'exagère et je caricature, mais c'est quand même souvent un peu ça. Mon deuxième point, ce sera l'insuffisance des réponses traditionnellement apportées, soit par les référentiels de compétences, alors je ne pourrais peut-être pas forcément tout développer à ce sujet, également l'insuffisance de réponses qui tiennent à l'outillage, hein, il y a des volontés de certains courants d'outiller l'esprit critique, et je pense que c'est insuffisant, de même que l'appel à une vague réflexivité aussi me semble insuffisant. Donc les réponses, il faut les chercher ensemble, hein. J'ai pas des réponses toutes faites, mais je pense que ça passe, et ça correspond aussi à ce qu'on a vu, on a entendu un peu ce matin aussi, c'est l'initiation aux méthodes de la recherche, mais dans leur diversité et leur complémentarité, c'est-à-dire c'est pas une vision très trop stricte de ce qu'est le champ scientifique, et c'est également savoir inscrire l'intelligence artificielle ou son développement et ses récents développements dans une généalogie déjà longue, hein, du développement technique dans la société et dans le monde de l'éducation en particulier qui m'intéresse au premier chef. Voilà.
Donc, mes trois points, je vais les traiter assez vite. D'abord, les enjeux hein, des nouveaux développements. Alors, la difficulté dans ce domaine-là, ça ne vous a pas échappé, et à moi particulièrement, qui ne suis pas, je le répète, spécialiste de l'intelligence artificielle, c'est qu'il est parfois difficile de cerner, hein, c'est le cas pour tous les développements techniques, mais plus encore peut-être pour l'intelligence artificielle, ce qui relève de véritables avancées, ce qui relève d'un discours hein, qui souvent, d'ailleurs, prend souvent des formes extrêmes, hein, qui peut prendre à la fois des formes dithyrambiques, c'est l'avenir prophétique qui nous est promis et qui est forcément enchanteur, et puis à l'autre bout du spectre, je dirais, des propos catastrophistes, c'est la perte de l'humain, etc. etc. Donc c'est difficile de se retrouver hein, dans ce champ-là qui est peuplé de justement d'imaginaires et qui peuvent d'ailleurs être souvent contradictoires. Donc voilà, je pense que cerner les enjeux, c'est nécessaire, mais je pense que cerner les enjeux autour de ces développements, c'est particulièrement compliqué. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas le faire, et c'est une des raisons qui nous ont amenés donc, à créer ce séminaire, en sachant que c'est par le dialogue interdisciplinaire, c'est aussi par une réflexion, ça nous habite aussi de plus en plus, non pas de la vulgarisation, moi j'aime pas ce terme, mais comment, quelle coopération, et pas seulement de diffusion, mais quelle coopération on a avec le monde non académique. Et ça, ce sont des vraies questions qui vont être brûlantes, et qui le sont déjà avec tout ce qu'on appelle la transition écologique, qui sont sur ces questions d'intelligence artificielle aussi. Mais on peut de moins en moins, et pourtant ça se produit encore beaucoup, on citait ce matin ce qui s'est passé avec le Covid, mais ces postures de sachants qui viennent à expliquer ce qu'il faut faire pour dire 4 jours après que c'était pas ça qu'il fallait faire, je pense que ça a un effet délétère justement sur la façon dont les connaissances se produisent au sens de production réellement. Donc pour essayer d'appréhender la multiplicité de ces enjeux, moi j'avais commencé, mais dans un autre texte, et ça je ne vais pas le développer maintenant, par montrer qu'il y a des enjeux épistémologiques très forts, et que ces enjeux épistémologiques, elles ne sont pas seulement affaires de spécialistes, c'est-à-dire qu'elles ont des incidences, ça je pourrais le développer si vous le souhaitez, là je ne peux pas tellement aller plus loin. En termes d'enjeux pour l'éducation, là aussi je vais aller très vite, j'en verrai un principal, qui est une promesse, plus qu'une réalité encore aujourd'hui, puisqu'on observe à plusieurs, quand même, de façon assez fine, les derniers développements en matière d'éducation, c'est une promesse d'automatisation de l'individualisation. On a l'impression que cette individualisation, je dirais, technologisée, elle a toujours été recherchée, enfin, depuis longtemps. Hein, on peut remonter au moins aux années d'après-guerre, chez les Américains, type Skinner, etc. Et on se dit, oui, mais ça n'a pas marché parce que la technique ne suivait pas, parce qu'on n'avait pas tous ces traitements de données massives à notre disposition. Maintenant, quid, hein, est-ce qu'on ne pourrait pas mener à bien ce vaste projet sans cesse reconduit et sans cesse différé? Voilà, ça c'est une vraie question, et en tout cas il faut en tout cas se la poser. Donc vous voyez, je ferai vraiment un grand trait pour vous parler d'enjeux, parce qu'il y en aurait, bien d'autres, mais j'insiste sur les principaux. Donc au nom de cette recherche, en fait, d'une opérationnalité, hein, certains veulent, parce que souvent, on est soumis à cette question-là. On nous dit, OK, vous réfléchissez dans votre coin, vous faites un séminaire, tout ça, mais il faut que ce soit opérationnel. C'est-à-dire, dites-nous tout de suite ce qu'il faut faire. Hein, il y a souvent cette urgence-là. Et au nom de ça, on développe, et ça aussi, on l'a étudié assez finement, on développe beaucoup de référentiels de compétences à différents niveaux, au niveau international, que ce soit à l'UNESCO, que ce soit en France aussi. Il y a une déclinaison française et francophone de tous ces référentiels. Mais le problème de ces référentiels, qui peuvent être intéressants, et l'approche par compétences là peut-être nous aider, mais moi le gros défaut que je vois à tout ça, hein, quand on se dit mais comment on va réfléchir, comment on va développer l'esprit critique pour avoir les outils de la réflexion face à ces avancées, ben on s'aperçoit que souvent dans ces référentiels, vous avez un émiettement hein, en une série de compétences. Tout ça va être très, très dilué hein, dans des micros, voire encore des micros de micro-compétences. Et la difficulté, ça va être quid du sens global hein, et quid de cette recherche d'une
d'une pensée critique qui ne se réduit pas à la somme de 10 compétences. Voilà, enfin, il me semble. On pourra en discuter, mais voilà. Autre réponse pas très satisfaisante, je dirais, c'est tout un courant, vous connaissez, que Cédric Brun connaît certainement plus que moi, mais moi je le connais par l'intermédiaire de certains écrits en tout cas, c'est-à-dire des courants qui sont beaucoup autour des neurosciences en ce moment, et qui sont très à la mode, hein, parce que là on disait, Madame Zakla disait ce matin, on pouvait trouver des financements sur le web sémantique il y a quelques années, mais aujourd'hui, si vous mettez des mots-clés de type neurosciences, vous êtes à peu près sûr d'en trouver. Donc je pense que c'est difficile d'avoir une pensée critique vis-à-vis de ces développements-là, parce que vous êtes tout de suite taxé de technophobie ou de type qui n'a rien compris, c'est normal, il en HHS, etc. Et puis surtout, la référence qu'on nous convoque systématiquement, c'est « oui, mais il ne connaît rien à l'approche expérimentale ». Une fois que ça s'est dit, on est renvoyé à nos chères études et à nos chers séminaires. Mais moi, j'ai lu, alors je ne sais pas si vous l'avez fait, parce qu'il a été, il y a un rapport qui a fait grand bruit, c'est le rapport Bronner, mais il y en a un qui a fait un peu moins de bruit, qui est plus technique, hein, c'est le rapport Pasquinelli, qui est lié d'ailleurs, hein, il y a un lien, qui est produit d'une recherche ANR, que vous trouvez en ligne assez facilement, et on en a fait une analyse détaillée, je pourrais vous en parler si ça vous intéresse, mais il y a une réduction du champ. Hein, ça commence bien, je dirais, le rapport. C'est-à-dire qu'au début, on fait une sorte d'état de l'art classique avec tous ceux qui ont pensé l'esprit critique, les philosophes, etc. Il y a même des sciences humaines et sociales. Mais là où ça commence à se gâter, c'est que dans le rapport, immédiatement, on dit « oui, mais cette profusion, c'est un handicap. On ne va pas pouvoir avancer avec ça. Donc on va essayer de la réduire. » Donc vous avez une sorte d'entonnoir, et du coup, ça se réduit à une question qui est vraiment très basique, hein, qui va être... on sait faire ça, par exemple, il y a une question qui est, on sait faire ça en mathématiques, donc comment on va essayer de faire un transfert des mathématiques à d'autres disciplines. Vous voyez, ça se réduit à peau de chagrin, et ce qui fait que ça aboutit à ce qu'on appelle outiller et exercer l'esprit critique, c'est même pas à l'esprit critique, hein, c'est comme si c'était une sorte de muscle à entraîner, j'exagère un peu, hein, je caricature là un peu, mais du coup, on obtient des recommandations, à la fin, puisque tout bon rapport finit par des recommandations, qui sont sur la nécessité de croiser les sources, des trucs comme ça, mais qui sont très basiques, quoi. Je dirais qu'ils sont très en retrait, et je sais qu'il y en a parmi vous qui travaillent depuis longtemps là-dessus, qui sont très en retrait par rapport à ce qui se passe dans le champ de l'éducation aux médias et à l'information. Enfin, ça a été travaillé ça, depuis longtemps, et on n'a pas attendu ce type de rapport pour savoir ça. Voilà. Alors, je disais, en fait, dans un autre texte, que c'est le point commun de ces solutions, c'est une opérationnalité qui est mal comprise. Je pense que c'est... Voilà, je pense qu'elle conduit, en tout cas, dans la mesure où le problème est mal formulé, à des recherches de l'opérationnalité qui aboutissent à des choses qui sont évidemment en retrait par rapport à ce qu'il faudrait faire, parce que la tâche est d'ampleur. Voilà. Donc je pense que l'IA nous oblige à repenser, hein, les cadres d'une éducation à l'esprit critique. Alors, je dirais juste 4 points là-dessus, parce qu'on pourrait en parler pendant des jours, évidemment, puis je prétends pas avoir, moi, les solutions. Mais je dirais qu'il y a, premièrement, des connaissances de base minimales, je dirais, à assurer, même pour des non-spécialistes de l'IA. Je pense que faire la différence, arriver à faire la différence entre les données, l'intelligence artificielle, l'algorithme, toutes ces notions de base qui peuvent être... paraît basique, moi je pense qu'il faut quand même qu'elles soient bien posées. Même si, mais justement, ça justifie qu'on les pose bien, même si souvent dans les discours, il y a un mélange. Parfois, ça va m'entretenir. C'est-à-dire que maintenant, vous avez plein de start-up qui vont vous dire qu'ils font de l'algorithme, voilà, de l'algorithmisation avec plus ou moins des données importantes, mais qui vont évidemment mettre l'IA en avant. Mais difficile, ça va être difficile après de cerner quelle est la réalité du développement de l'IA dans tout ça. Alors, moi, j'avais à un moment donné suggéré, hein, qu'on regarde déjà, même si ça ne peut être qu'un point de départ, hein, pour des notions assez basiques, mais j'avais trouvé quand même des MOOC qui étaient assez bien faits, hein, en accès libre et gratuit, qui permettent déjà de poser ces bases-là. Moi, ça me semble déjà ça. Ensuite, ça, c'est pas non plus très politiquement correct, mais tant pis, faut l'assumer. Je pense pas que à l'école, enfin à l'école au sens large, hein, que ce soit l'enseignement primaire, mais surtout secondaire, je ne pense pas
Ce serait intéressant de voir ce que mes collègues en pensent ici présents, mais pour moi, la cohabitation d'un nouvel enseignement d'informatique tel qu'il a été pensé, plus, vous rajoutez là-dessus, l'EMI, éducation aux médias et à l'information, qui est prise en charge en France essentiellement, je dis essentiellement parce que pas exclusivement, par les profs documentalistes, qui doivent le faire en collaboration avec leurs collègues, etc., je ne pense pas que ce soit de nature à résoudre le problème. Je pense qu'il y a plein de choses qui ne vont pas être dans les radars et il y aura beaucoup, beaucoup d'angles morts. Là aussi, je n'ai pas trop le temps de le développer, mais ça me semble une vision non pensée globalement et très réductrice de croire que ça va être réglé de cette manière. Moi, ce que je préconisais, alors évidemment, c'est quelque chose d'ambitieux, de long terme, qui n'est pas opérationnel dans la minute, c'est clair, c'est des méthodologies de la recherche à inculquer dès le plus jeune âge, mais, vous allez me dire, oui, mais ça existe déjà, etc. Sauf que, moi, ce que j'ajoute là-dedans, c'est comment, et on a vu au temps de Covid combien ça aurait été nécessaire, c'est instiller non pas le doute qui doute de tout, mais un doute constructif, voir comment les sciences, moi je préfère le pluriel au singulier, comment les sciences fonctionnent, et dans leur diversité et dans leur complémentarité. Pas uniquement les sciences expérimentales, mais je suis désolé, quand, même pour le Covid, et même pour la transition écologique, lorsqu'il s'agit de parler de l'homme, de l'humain au sens général, de l'humain en société, on ne peut pas avoir uniquement affaire à des écologistes, à des médecins, etc. Je pense qu'il y a toute une dimension humaine qui souvent est absente dans ces résultats, mais aussi dans ces méthodes. Et je crois vraiment, même si c'est compliqué à mettre en œuvre, que sur des sujets pareils, il faut une véritable interdisciplinarité, c'est-à-dire des regards croisés avec des méthodes croisées, et ne pas les hiérarchiser, ces méthodes-là. C'est quand je vois des corrélations qui se transforment soudain en causalité parce que la réflexion en sciences humaines est trop pauvre. Voilà, j'ai du mal à croire parfois à une hiérarchie des méthodes qui pourtant sont bien dans les têtes, hein. On a du mal à éliminer, en tout cas à modifier. Et voilà. Alors, dernier point, ce sera mon dernier point, j'espère que je ne suis pas trop long. Quatrième, c'est mon quatrième point, c'est comment on arrive à inscrire, je dirais, les développements de l'intelligence artificielle dans une histoire déjà longue, hein, dans une généalogie, hein, plus particulièrement, déjà longue, des développements techniques dans la société et des développements techniques dans l'éducation. Alors, ce n'est pas une histoire, bienveillante ou malveillante, qu'il faudrait faire, c'est une histoire problématisée. C'est quelles sont les questions posées. Et là, avec le développement de l'intelligence artificielle, ce qui est clair, c'est que ça ressuscite de vieilles questions. Certaines ne sont pas nouvelles. Qu'est-ce qu'on fait de ces développements techniques? Et je vous assure que les promesses, pour certaines, ne sont que la réactualisation de promesses anciennes. Hein, c'est pas toujours. Mais moi non plus, je ne suis pas technophobe. Et je vis avec mon temps. Et j'ai envie de voir de façon critique, au bon sens du terme, hein, quelles sont les avancées réelles que ça peut permettre, et en même temps, les remettre en perspective, mais avec également la participation des citoyens dans les sciences participatives, mais aussi des spécialistes de la question. Voilà. Et ce dialogue-là, on a commencé à l'amorcer dans certains points, mais c'est vrai qu'il n'est pas facile forcément à mettre en œuvre. Enfin, tout ça, je résumerai en disant que pour caricaturer le propos, je crois que c'était Clémenceau qui disait qu'il ne faut pas laisser la guerre aux militaires. Moi, je dirais qu'il ne faut pas laisser l'intelligence artificielle aux seuls informaticiens. Je pense qu'il faut s'en mêler. Ce n'est pas une méfiance vis-à-vis d'eux, mais c'est qu'il y a des tas de dimensions qu'ils ne peuvent pas penser seuls. Et inversement, nous, on n'est pas des tas de choses techniques qu'on n'est pas capable même d'appréhender. Donc voilà, c'est comment on arrive à travailler ensemble. Ce n'est pas simple. Ça ne donne pas une solution pour après-demain, mais je pense qu'il faut s'y atteler en tout cas. Voilà, dans différents dispositifs qu'on pourra développer si vous souhaitez. Merci. Cédric ? Ouais. À toi ? Ah oui. Il y a un petit jeu de chaise musicale à chaque fois. Un petit jeu de chaise musicale, par contre. Alors, moi, je vais être beaucoup plus court. Je vais m'en tenir à essayer de répondre
de mon point de vue aux deux questions, quel effet l'IA a eu sur les SHS, quel effet les SHS ont sur l'IA, en commençant peut-être par le second. Moi, ce qui me frappe, et ça me permet de faire le lien avec ce sur quoi tu viens de conclure, et aussi ce sur quoi tu as ouvert, c'est-à-dire, vous savez, le fameux supplément d'âme des SHS au projet de recherche en sciences de la nature, sciences formelles, etc. On vient nous chercher 3 jours, allez, une semaine avant la deadline, la date limite, pour qu'on ajoute le paragraphe qui va rendre sexy le projet aux instances de financement, quelles qu'ils soient, qui partent sur les nanotechnologies, sur l'avenir du littoral aquitain. En caricature, bien sûr, mais en même temps, c'est une réalité, et c'est une réalité de la big science, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Tout le mouvement des grands projets de science financés par des agences nationales, internationales, voire privées, fonctionne sur cette idée-là que les SHS doivent intervenir dans ces projets. Et l'IA fait pas exception à la règle. Tous les projets IA, maintenant, comportent ce volet de recherche en SHS. Et un des effets auxquels je ne m'attendais pas, en fait, c'est la réelle demande de la part des collègues chercheuses et chercheurs en informatique d'un réel dialogue avec nous. C'est-à-dire que, autant je m'attendais assez à ce qu'on soit à nouveau convoqué dans ce genre de situation, autant là, il y a une vraie demande de dialogue, de construction, d'un travail interdisciplinaire avec les informaticiens, avec les spécialistes des sciences des données, avec les neuroscientifiques, les psychologues cognitifs, etc., qui tous et toutes plus ou moins travaillent sur les enjeux de l'IA, ou sur les méthodologies de l'IA. Et ça c'est quelque chose qui pour moi est une grande satisfaction, y compris dans le monde de l'entreprise privée, même si ça a connu des vicissitudes. Enfin, je suppose que tout le monde a suivi les épisodes de rupture entre Google et son pôle IA éthique, avec Tim Gebru qui a été débarqué avec toute une partie de son équipe. Là, on a effectivement, malgré tout, la présence de chercheurs et de chercheuses dans des grandes entreprises multinationales qui sont des acteurs privilégiés de la recherche et de la mise en pratique de l'IA, chercheurs en sciences humaines et sociales, qui montrent le chemin aussi. C'est-à-dire qu'ils montrent le chemin au sens où ils sont lanceurs d'alerte quand il faut l'être, ils sont acteurs du changement à l'intérieur même de ces entreprises lorsqu'ils peuvent l'être. Quand ils ne peuvent plus l'être, ils deviennent lanceurs ou lanceuses d'alerte. Donc je pense que là, il y a un vrai changement qui a été impliqué par l'effet des SHS sur l'IA, puisque de plus en plus, effectivement, on a des gens qui sont d'abord des chercheurs et des chercheuses en sciences informatiques qui sont réellement intéressés et réellement instruits en plus, enfin, qui lisent de la littérature princeps en sciences de l'information et de la communication, en philosophie des techniques, en sociologie des sciences, etc. Donc pour moi, il y a un vrai effet, et c'est intéressant pour moi parce que c'est finalement une sorte d'impérialisme scientifique inattendu des SHS vers les sciences formelles. Je ne sais pas si on pourra encore parler d'impérialisme scientifique dans ce cas-là, mais en tout cas, d'épidémie de SHS vers les sciences formelles, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est le premier effet. Deuxième effet, c'est la redéfinition de ces collaborations interdisciplinaires, sous l'aspect, et tu l'as mentionné aussi, sous l'aspect de l'opérationnalisation, de l'opérationnel ou de l'immédiatement, en tout cas à brève échéance, implémentable concrètement dans des politiques, dans des actions, etc. Et de ce point de vue, on a eu quand même un exemple au cours des 6 dernières années qui est majeur à mon sens pour le champ, alors qui n'est pas sur l'IA proprement dit, mais qui est vraiment sur les données, c'est construction du projet autour du RGPD, la réalisation du RGPD et sa mise en place. Aujourd'hui, le RGPD constitue un standard qui n'est pas simplement européen, mais qui a réussi le tour de force à devenir un standard international, de facto.
puisque comme le marché européen est trop important pour pouvoir être évité par les grands acteurs du numérique internationaux, ils ont été obligés de se soumettre d'une certaine manière, dans une certaine limite, aux contraintes imposées par le RGPD. Et cette réglementation européenne, elle a été construite d'abord sous l'impulsion de juristes, de défenseurs des droits humains, de chercheurs et chercheuses en SHS, je pense par exemple à quelqu'un comme Mireille Hildebrandt, etc., qui ont beaucoup travaillé dans la décennie qui a précédé sur la construction de ce qu'on pourrait appeler une IA légale ou des enjeux légaux de l'IA. Et le fait que ça ait vu le jour en 2016, puis implémenté en 2018, et que cette réalisation ait aujourd'hui des effets concrets sur des sociétés comme Google, Facebook et autres acteurs majeurs, pour moi est un indicateur très, très intéressant de l'impact qu'ont les SHS sur la concrétude même du développement de l'IA. Alors, ça a aussi un autre effet qui, moi, m'interroge plus. Là, je suis vraiment dans l'expectative, même si je l'analyse à travers un autre biais, mais qui est le fait notamment que la philosophie de l'IA, qui pendant très très longtemps s'est surtout concentrée sur la question de la possibilité théorique de l'IA forte, avec des travaux de John Searle, avec des travaux, bien sûr, sur les bases des premiers textes de Turing, qui étaient à la limite de la philosophie et des sciences, et des sciences de l'informatique. Ce qui est intéressant, c'est que tous ces travaux-là ont contribué à la fois à définir un espace d'imaginaire, ça a été rappelé tout à l'heure, autour de l'IA forte, sous sa version science-fiction, sous sa version plus ou moins prophétique dans toute la littérature du transhumanisme, une littérature parfois grise, parfois très officielle, et qui donne lieu à cette pléthore de textes publiés tous les ans par des gens qui se réclament des SHS, qui n'ont pas forcément la connaissance technique dans le domaine de l'IA, qui n'ont pas forcément d'ailleurs non plus la connaissance technique dans le domaine de la philosophie, par exemple, de l'IA ou de la philosophie des sciences informatiques, mais qui vont porter des jugements à l'emporte-pièce sur c'est possible, c'est pas possible, c'est souhaitable, c'est pas souhaitable, et souvent sous la forme d'un nouveau solutionnisme, c'est-à-dire c'est pas forcément un solutionnisme technologique, mais parfois un solutionnisme théorique provenant des SHS. Et là, il y a quelque chose qui me frappe, comme effet des SHS sur l'IA, c'est que des acteurs techniques de l'IA qui se sont plus ou moins formés à ces débats-là deviennent partie prenante de thèses concernant la possibilité de l'IA forte, la possibilité d'une IA sentiente. Là, on a eu cet effet-là, par exemple, en juin dernier, hein, quand les responsables de Google de traitement naturel du langage a affirmé, ça y est, on a un système de traitement du langage qui est sentient, bon, avec une définition de sentient qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui doit nous interroger fondamentalement, qui a été renvoyé dans les 22, pardonnez-moi l'expression linguistique, mais par l'ensemble de la communauté informatique, par l'ensemble de la communauté de philosophie, et néanmoins, qui continue à fonctionner comme une sorte de prophétie autoréalisatrice, au sens où on voit bien qu'il y a l'idée de justifier un programme de recherche derrière. Et donc ça, ce lien entre les SHS et les sciences de l'information, ou les sciences informatiques, pardon, depuis leur origine cybernétique dans les années 40, c'est quelque chose qui continue à fonctionner en arrière-plan de tous ces discours structurant de nos imaginaires, du transhumanisme, de la futurologie techno-scientifique américaine de la côte ouest. Donc pour moi, ces trois effets-là, des SHS sur l'IA, je pense qu'ils sont importants parce qu'ils nous disent quelque chose de ce que sont les SHS à l'aune du public qui n'est pas forcément formé dans ces dimensions-là, et notamment le fait que les SHS, finalement, sont définis en creux comme ces disciplines qui parlent du futur. C'est des disciplines qui nous permettent, par un travail critique, de définir des futurs possibles, des futurs critiquables. Et je pense que c'est aussi une identité à laquelle il faut qu'on soit, nous en tant qu'acteurs des SHS, sensibles, parce que je la pense pas fausse.
au fond, je crois que cette dimension critique et cette dimension d'anticipation sur ce que les futurs possibles, souhaitables ou redoutables pourraient être, est importante. Alors, l'effet maintenant de l'IA sur les SHS, là je suis moins à l'aise pour en parler, j'ai l'impression qu'effectivement il y a un enjeu autour de nouvelles pratiques de recherche, moi je vois en tout cas en particulier en philosophie des sciences, comme en sciences de l'information et de la communication, je crois, l'utilisation de plus en plus d'outils de data, enfin de minage de données, massif et de plus en plus utilisé pour faire de la bibliométrie, pour faire des études statistiques sur des aspects sémantiques. On a néanmoins un problème, en tout cas pour ce qui est de l'usage en philosophie des sciences, c'est l'absence de formation dans ce domaine-là. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, les formations universitaires sur ces domaines-là sont des formations qui sont du côté des sciences des données, du côté de la philosophie ou des SHS, je connais très peu, c'est seulement des éléments de formation qui sont donnés de manière optionnelle. Donc là, on a sûrement un retard à rattraper, mais c'est une question de stratégie ou de volonté politique de formation dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, et qui pour l'instant me semble faire défaut, soit par méconnaissance du champ, soit par un biais qui est celui des humanités numériques qui ont occupé une sorte de place déterminante sans vraiment savoir exactement ce que recouvrait concrètement le champ dans tous les cas. C'est-à-dire que j'ai l'impression que chacun il a mis un petit peu son propre sous-domaine dans l'escarcelle sans qu'on arrive à se mettre d'accord sur bon, qu'est-ce qu'on attend des humanités numériques et comment est-ce qu'on les définit. Alors je dis ça en plus en étant un peu étranger au champ, je ne suis pas un acteur immédiat, mais je pense que là, il y a une dimension de stratégie aussi pour les SHS à définir. Dernier effet, je m'arrête là, c'est l'effet qu'a l'IA sur des définitions de projets de recherche, voire de méthodologies de recherche. Et là, je tire ça plutôt de mes interactions avec les neuroscientifiques et les sciences expérimentales en général. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va utiliser des outils computationnels de modélisation massive, sur des données massives, en fait, on va très, très vite se retrouver dans des situations où on va avoir des résultats dont on ne va pas forcément savoir trop toujours comment les interpréter, parce que, en fait, suivant les méthodologies qu'on a utilisées, notamment à partir du moment où on peut intervenir du machine learning en apprentissage plus ou moins dirigé, ça devient compliqué d'interpréter les résultats qu'on a. Et par contre, ces résultats vont être très très efficaces en termes de prédiction. Ça nous donne des outils prédictifs absolument géniaux. Mais par contre, du point de vue de l'explication, de l'explicabilité des phénomènes qui sont pointés par ces modèles, on est souvent en reste. Et là, je crois qu'il y a quelque chose qui est particulièrement intéressant en termes d'effet sur les SHS, c'est que l'appel qui est fait finalement aux SHS de la part des sciences de l'information, des sciences informatiques, il va être souvent autour de cette question de la transparence, l'explicabilité, l'interprétabilité. Alors bien sûr, il y a des modèles mathématiques qui permettent de faire ça, ou en tout cas qui prétendent le permettre, sans se rendre compte qu'en fait ils ajoutent une couche d'opacité à une opacité épistémique qui est déjà là. Et la question c'est, est-ce que nous on est vraiment en meilleure position que, je dis nous pour les SHS en général, mais est-ce que les SHS sont en meilleure position que les sciences informatiques pour apporter, sinon plus de transparence, du moins plus d'interprétation ou d'explication aux résultats qui sont produits par les outils computationnels. Pour moi, c'est encore une question ouverte. Je pense qu'il y a une dimension qu'il faut qu'on prenne en compte, on pourrait y revenir tout à l'heure, c'est la dimension de théorie de l'esprit, en fait, hein, qui fait défaut quand on interagit avec un système complexe computationnel, c'est-à-dire qu'en gros, quand j'interagis avec vous, je peux anticiper sur vos comportements à partir de ce que je sais des miens et ce que je sais des vôtres passés et de mes contemporains. A priori, on fonctionne à peu près tous de la même manière. En plus, on a un système légal avec des lois qui limitent les comportements possibles, donc je peux cibler à peu près et savoir que vous n'allez pas essayer de me tuer, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, normalement, si tout va bien. Le problème, c'est que quand j'interagis avec un agent computationnel qui va prendre des décisions, qui va faire des propositions d'action ou qui va même avoir des comportements directs sur des interactions machiniques avec moi, sa prédiction, je peux pas savoir sur quelle base elles sont faites.
C'est-à-dire que je n'ai pas accès ni à la nature, ni à la quantité des données sur lesquelles il se base pour faire sa prédiction. Je n'ai pas accès non plus à la logique qui détermine les corrélations qu'il a pu établir pour construire sa prédiction. Et à ce titre-là, ce n'est pas simplement une question d'opacité épistémique, c'est-à-dire je ne sais pas quelles sont les règles, c'est que je ne sais même pas quelles sont les méta-règles par lesquelles il est passé pour choisir les données ou déterminer les données qui étaient pertinentes. Et là, on est face à quelque chose qui est sans doute indépassable et sur lequel on va avoir besoin d'une médiation pour transformer cette opacité en quelque chose de, transparent. Je pense que ça n'arrivera pas. Enfin, moi, le projet d'une IA transparente, je ne vois pas comment c'est réalisable, en tout cas, sauf à revenir à l'IA symbolique pure. Et si on veut parler d'une IA qui est responsable, en tout cas avec laquelle on peut interagir de manière intelligible, c'est plus une question d'intelligibilité que de transparence, on va avoir besoin de faire tout un travail autour de la définition de ce que c'est que l'interprétation, autour de la définition de ce que c'est que la représentation, autour de la définition de ce que c'est que l'explication ou l'explicabilité, voire la compréhension, qui est encore un autre concept, et sur lequel finalement les aspects techniques de transparence, interprétabilité, explicabilité sont sans doute trop limités. Et là, je pense qu'on a un champ d'exploration pour les SHS qui est assez immense. Voilà, je m'arrête là tout de suite et je vous remercie pour votre attention. Très bien. Alors, j'espère que vous m'entendiez, que le PowerPoint soit visible correctement à distance aussi. Comme je disais tout à l'heure, je me fais porte-parole d'un travail collectif. Donc, cette communication a été préparée notamment par Marita Mathiode et moi-même de l'Université de Turin et par Alida Maria Silletti de l'Université de Bari, sous la direction de Rachele Raus de l'Université de Bologne en tant que coordinatrice de ces activités de recherche. Donc, nous présentons les premiers résultats issus d'une recherche interdisciplinaire et multilingue qui a été menée dans le cadre d'une recherche sur les droits, le multilinguisme et les variétés linguistiques en Europe à la une de l'intelligence artificielle. Cette recherche s'inscrit à l'intérieur d'un projet européen, Artificial Intelligence for European Integration, qui a été dirigé par Umberto Morelli, promu par le Centre d'études européennes de l'Université de Turin et cofinancé par la Commission de l'Union européenne. Donc, l'objectif de cette communication est double. Face aux changements déterminés par les technologies émergentes et de rupture dont le rythme d'innovation dépasse celui de l'élaboration de politiques institutionnelles et éducatives, nous allons donc présenter une réflexion sur aussi bien l'impact de l'IA sur la formation universitaire en langues étrangères en traduction, en France et en Italie, ainsi qu'une réflexion sur l'apport des sciences humaines et sociales à l'implémentation d'un outil d'IA qui était conçu pour une communication institutionnelle multilingue et inclusive. Donc, le projet auquel je fais référence est le projet Multilinguisme et variété linguistique en Europe à la une de l'intelligence artificielle qui a été justement coordonné par Rachele Raus. Les résultats que nous présentons pour partager notre réflexion sur l'impact de l'IA sur la formation en langues étrangères en traduction sont issus d'une enquête qui a été menée dans le cadre de ce projet auprès d'une population étudiante francophone et italophone. Alors que le troisième point, donc la réflexion qui porte sur l'apport des sciences humaines et sociales à l'implémentation d'un outil d'IA, l'outil IMIMIC, Empowering Multilingual Inclusive Communication de l'École Polytechnique de Turin et de l'Université de Bologne, se fera justement en présentant les caractéristiques principales de ce système et justement ce qui a été au cœur du travail interdisciplinaire qui a été fait en collaboration entre les ingénieurs qui ont élaboré ce système et les linguistes qui ont activement participé aux travaux d'annotation et de modélisation de ce système.
Donc, l'objectif de la recherche, du projet de recherche sur les droits, le multilinguisme et les variétés linguistiques en Europe à la lune de l'intelligence artificielle est celui de, justement, de réfléchir aux retombées de l'IA dans ce contexte et notamment de réfléchir à l'impact disruptif de l'IA dans la formation universitaire en langues étrangères en traduction. Donc, nous allons nous concentrer notamment sur le volet pédagogique de cette recherche. Comme je disais tout à l'heure, nous avons donc mené une enquête à l'aide de la soumission, de la distribution de deux questionnaires qui ont été adressés à nos participants, italophones et francophones. Un premier questionnaire a été soumis au début des formations expérimentales et un deuxième questionnaire a été soumis à la fin, justement pour essayer d'observer l'évolution des perceptions et des usages chez la population étudiante qui a participé à l'enquête. Donc, le dénominateur commun de ces formations expérimentales en langues étrangères en traduction était celui de mettre les étudiants dans une situation d'interaction avec des outils d'IA de différents types, de traducteurs neuronaux, d'outils de transcription vocale, d'outils de plateformes multilingues et d'outils terminologiques en ligne basés sur des architectures neuronales. Nous avons donc un nombre de répondants qui est de l'ordre de 3000 participants de licence et de master, et les filières en sciences humaines et sociales qui ont été intéressées par cette expérimentation sont des filières en langue et littérature étrangère, communication interculturelle, traduction, langues étrangères appliquées, mais aussi droit, sciences politiques, management et gestion, donc des filières en sciences humaines et sociales dans lesquelles l'acquisition de compétences linguistiques et traductives est conçue à des fins de professionnalisation de ces formation. Donc, au début de ces expériences de formation expérimentale en interaction avec des outils d'IA, nous avons essayé d'enregistrer les perceptions des étudiants vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Pensez-vous que l'intelligence artificielle jouera un rôle important dans votre avenir professionnel? Alors, on voit bien, si on somme les pourcentages en bleu et en rouge sur ce graphique, que 80% environ de nos participants considèrent que l'IA jouera un rôle important dans l'avenir professionnel. Nous savons, grâce au constat qui a été fait par les traductologues notamment, qu'un usage établi des technologies ne rime pas avec un usage éveillé de ces instruments. Et donc, les traductologues, notamment les études de Lynn Bowker, Rudy Locke, parmi d'autres, qui travaillent donc dans une perspective d'application des études de traduction à la formation de futurs traducteurs, ont souligné l'importance d'inverser la tendance qui concerne un usage de consultation passive de ces outils de la part des apprenants pour justement encourager une prise de conscience critique vis-à-vis de l'usage, vis-à-vis de l'utilisation de ces instruments. Nous faisons référence notamment au paradigme de la Machine Translation Literacy Instruction de Lynn Bowker, selon laquelle Training could help to users to make better decisions about employing machine translation and to optimize its use. Donc, dans les diapositives suivantes, nous allons voir très rapidement, nous allons comparer très rapidement l'évolution des perceptions positives et négatives enregistrées. Donc, décrivez un aspect positif de l'utilisation de l'IA dans l'avenir des langues. Nous voyons que aussi bien au début qu'à la fin de la formation, la rapidité reste l'élément le plus évoqué par nos participants. Mais on évoque aussi l'utilité de l'IA pour le multilinguisme et l'utilité de l'IA en tant qu'outil d'aide à l'apprentissage des langues. Les pourcentages ne varient pas de manière significative. Ce qui est plus intéressant de voir, c'est l'évolution,
c'est donc au niveau de l'analyse qualitative des réponses ouvertes fournies par nos participants, qui évolue vers une meilleure prise de conscience, et donc vers une remise à l'échelle des perceptions extrêmement positives qu'il y avait au début de l'expérience, vers une conception plus réaliste de l'utilité et de l'intérêt que l'IA peut offrir pour le multilinguisme. Donc faciliter la compréhension du sens général du texte d'origine, accéder au sens général. Si la machine est entraînée de manière ciblée, elle pourrait permettre elle pourrait fournir un support à la traduction assistée par ordinateur ou à l'apprentissage d'une langue étrangère. Donc on voit bien l'évolution qui existe, que l'on peut observer du début, d'un début dans lequel, par exemple, certains retours soulignent que l'IA pourra faciliter la communication entre diverses personnes, différentes populations ne parlant pas la même langue. En ce qui concerne les perceptions positives concernant l'IA comme outil d'aide à l'apprentissage des langues, encore une fois, on a une remise à l'échelle des perceptions. Donc, on comprend bien que ces outils peuvent offrir une utilité bien ciblée. Donc, ils peuvent fournir une utilité en termes d'aide à la vérification de la prononciation de mots, d'aide à la consultation d'exemples en contexte, d'aide en tant qu'exercice, outil pour l'auto-apprentissage en production écrite, donc en rédaction dans une deuxième langue par exemple, ou en production orale. Donc on prend les distances par rapport aux perceptions initiales qui voyaient ces outils percevaient ces outils à la hauteur de dictionnaires et donc a priori comme des ressources linguistiques fiables. En ce qui concerne les perceptions négatives, nous avons, selon nos participants, nous avons différents points qui sont évoqués. Donc, je vais vous montrer juste rapidement que on observe la réduction de la crainte, disons, pour le dire très rapidement, du remplacement de l'humain par la machine, donc de la valorisation, dévalorisation des compétences humaines en rouge, et qui s'accompagne de l'augmentation des réponses qui soulignent comme quoi les traductions automatiques neuronales présentent encore beaucoup d'erreurs et beaucoup de problèmes à corriger. Donc, on souligne après l'expérience de formation l'importance des compétences humaines pour un usage éveillé et efficace des outils d'IA dans le domaine des langues et de la traduction. Donc, on souligne l'importance d'une révision de la part de l'humain, des prestations fournies par la machine. On souligne que, contrairement à l'humain, la machine n'est pas encore capable d'assurer la pertinence au contexte de ses prestations. Et on souligne également l'importance de représenter d'une manière équitable les différentes langues au sein des corpus qui sont utilisés pour entraîner ces systèmes et ces moteurs. En ce qui concerne la perception de fiabilité, on peut voir en gros que on considère les prestations fournies par ces outils comme assez fiables. Donc globalement, on a une perception généralement positive de la fiabilité assurée par ces systèmes, mais en même temps, on souligne la nécessité de vérifier leurs prestations et donc la centralité des compétences humaines dans cette interaction avec la machine. Or, en ce qui concerne la présentation du projet de l'outil IMIMIC élaboré par l'École Polytechnique de l'Université de Turin, la caractéristique de ce travail repose justement sur l'interdisciplinarité qui a eu depuis le début de ces travaux entre les ingénieurs du Polytechnique et les linguistes. On est parti d'un constat
qui est lié justement en particulier à un phénomène, celui du langage inclusif, au sein des textes administratifs institutionnels. Ce constat concerne le manque d'uniformité, voire l'absence de stratégie inclusive dans les documents publiés dans les sites web des universités italiennes notamment. Et donc cela a justifié la volonté d'aller à la recherche d'un outil puissant, détectant a priori les cas de discrimination pour pouvoir les corriger grâce à des critères d'annotation et de reformulation injectés dans les moteurs, dans l'outil en amont et réduisant ainsi la phase de post-édition des prestations de la machine, en réduisant cette phase à une étape de vérification finale. Donc déjà, cette intervention en amont est le premier élément novateur dans l'élaboration de cet outil. Un autre élément innovateur est celui de l'interchange constant entre l'humain et la machine, dans le sens où on teste constamment les résultats produits par la machine et on revient sur les critères à injecter en amont pour en améliorer les prestations. On considère et toujours dans un esprit de synthèse, j'essaie d'assurer mon mieux. L'objectif de cet outil est celui de créer une application qui soit capable de reconnaître des éléments de langage inclusif et non inclusif au sein de ces textes administratifs institutionnels et de les reformuler. Et donc de fonctionner en tant que outil d'aide à la rédaction inclusive pour les administrations publiques. Un deuxième élément novateur concerne la langue de départ sur laquelle ce système a été élaboré. Donc les critères qui ont été élaborés pour le fonctionnement de ce système se basent sur la langue italienne, qui seront adaptés aux critères en langue française et en langue espagnole par la suite. Donc on a un système qui est basé sur une langue romane, donc non pas sur l'anglais, qui généralement est la langue constitue le fondement pour l'élaboration de ce genre de modèle pour la réalisation de technologies intelligentes. On parle de critères linguistico-discursifs puisque les éléments de langage inclusif sont considérés en prenant en compte comme unité minimale du travail d'annotation et de reformulation la phrase, puisqu'on considère que l'inclusion peut s'opérer dans la langue en usage et ne se limite pas aux caractéristiques morphologiques et morphosyntaxiques d'une langue donnée. Donc c'est notamment, comme Patrick Charaudeau l'a souligné dans ses travaux, dans le discours qui se concrétise performativité du langage, en fait. Le corpus comprend, c'est un corpus ouvert qui comprend à ce stade 3600 phrases, qui est constitué de textes qui ont été tirés par les sites de 12 universités italiennes et de 5 collectivités locales, par rapport à différents genres de discours administratifs institutionnels, parmi lesquels le communiqué de presse est le plus récurrent. Les phases d'élaboration de ces outils ont prévu un entraînement du système dans lequel la machine a appris à se spécialiser dans le traitement de la langue administrative, donc de la langue du langage institutionnel, à partir de modèles linguistiques généraux préexistants issus de Wikipédia 2019 et du corpus Opus. La troisième et la quatrième étape que vous voyez sur cette diapositive ont été opérées dans le cadre d'une coopération entre linguistes et ingénieurs. Donc les linguistes ont collecté les données pour alimenter ce corpus, ont étiqueté, donc ont exécuté l'opération d'annotation manuelle de ces données pour justement apprendre à la machine à identifier, prévoir et reconnaître les éléments de langage inclusif et non inclusif et ensuite les reformuler pour restituer une prestation
pertinente. Donc, on a la quatrième étape l'étape de reformulation est une étape de traduction intralinguistique qui permet au moteur de performer à partir de la reconnaissance de ces éléments. Alors, voici l'interface à travers laquelle on a exécuté le travail d'annotation. Oui. Le travail d'annotation. L'unité de base était la phrase, et on a donc essayé dans chaque phrase signaler la présence de éléments inclusifs et non inclusifs, puisque la reformulation qui est proposée par le linguiste et donc sur laquelle on entraîne le système est une reformulation binaire, c'est-à-dire qui va dans les deux sens. Les portions du discours non inclusives sont reformulées de manière inclusive et vice-versa. Et ce, justement, pour entraîner le système à faire une distinction entre ces deux typologies de discours, inclusif ou non inclusif, et donc à améliorer aussi les résultats de ça, ces résultats prédictifs de reconnaissance et reformulation. Donc voici par exemple quelles sont les reformulations que l'on a injectées dans le système à partir du segment non inclusif, les étudiants Sciences Po seraient prêts. On a proposé justement l'utilisation de noms collectifs comme la communauté étudiante ou la population étudiante. À partir de formulations inclusives déjà présentes dans le texte administratif, on a proposé des formules, inclusives et donc efficaces qui s'appuient donc sur un nom collectif comme population, une synecdoque comme une aide de l'État et un mot épicène, c'est-à-dire qui ne signale pas d'un point de vue linguistique l'appartenance à son genre, ont été reformulés aussi dans le cadre de propositions non inclusives qui ont été signalées en violet dans l'exemple en bas de cette diapositive. On travaille aussi sur l'identification de syntagmes, de sigles et sur tous les éléments du discours qui peuvent être porteurs de stéréotypes liés à des facteurs sociaux, donc non seulement le genre mais aussi l'âge ou bien la présence d'un handicap. On va vraiment travailler sur la reformulation d'éléments du discours qui peuvent être porteurs de stéréotypes discriminatoires. La réflexion va poursuivre dans le cadre d'un travail qui va porter sur la traduction interlinguistique. Et donc, pour ce faire, les paradigmes et le travail qui sera fait dans le cadre de ce système prévoient une réflexion qui prenne en compte non seulement les spécificités de chaque langue, mais aussi les divergences de fonctionnement entre celles-ci. Et donc, on prévoit l'élaboration de paradigmes, donc de règles pour un langage inclusif qui soit opérationnel pour chaque langue et qui soit donc qui puisse être traité par la machine aussi dans le cadre d'un passage interlinguistique. Finalement, pour conclure, nous considérons que pour ce qui est de l'impact que l'IA a sur la formation en langues étrangères, en traduction, il est important de guider l'apprenant vers l'acquisition d'un savoir, de nouveaux savoirs, de nouvelles connaissances, un savoir qui consiste dans la capacité notamment de distinguer quantité et qualité des données multilingues accessibles. Et en ce qui concerne, et ce surtout sur des langues non dominantes comme l'italien et le français, à partir de l'utilisation d'outils d'intérêt surtout pour les institutions qui opèrent dans un cadre multilingue,
basée sur des architectures fondées sur des langues autres que l'anglais. Il s'agit effectivement non seulement de l'apport qu'un travail interdisciplinaire concret peut fournir, mais aussi d'un engagement social que l'on peut promouvoir en tant que formateur et formatrice. Merci beaucoup pour votre attention. Merci.